tellement hâte de fêter Halloween ce soir. Pour une fois, c'est nous qui allons offrir des bonbons aux enfants qui sonnent. Tu veux rester à la maison le seul soir de l'année où on peut récolter des bonbons gratuitement? Pour moi, Halloween, c'est surtout l'occasion de faire des rencontres. Déjà toute petite, je rêvais de me faire enlever par un proche chevalier sur sa monture. Regardez-moi ça, vous avez commandé vos costumes sur déguisementspécialringard.com, c'est ça? Le mien est une création originale que l'on doit à la plus tendance des stylistes, Donna Roberto. Dis-moi, Cléotard, on sait pas chuchu de toi, c'est quoi ce bout de tissu qui pend? Désolée. C'est trop la honte. Je te jure que tu vas me payer ça. Au propre comme au figuré, un tel affront appelle une vengeance. T'aurais dû te déguiser en Terminator. Hasta la vista, Mandy. Oh, allô? Ah, salut, maman. Mais comment? J'ai déjà... D'accord. Bah, dis-nous, qu'est-ce qu'elle voulait? Il s'agit de Chucky, le rejeton de la meilleure amie de ma mère. Une vraie peste, un monstre, un... le plus adorable des bambins. Ça, j'ai doux comme un ange. En clair, les copines, on va faire du babysitting ce soir. Ouais. Comment ça, on va faire du babysitting? Je croyais qu'on était censé faire la fête. Et le porte-à-porte pour les bonbons dans tout ça? On va s'organiser une fête rien que pour nous. Et puis on ira à la chasse aux bonbons avec Chucky. Allez quoi, je vous assure qu'on va s'éclater. Ils habitent la résidence Vista Verde, vous allez voir, c'est le grand luxe. La résidence Vista Verde. Allez les filles, vous n'allez pas me laisser seule quand même. Bon d'accord. Génial. Oh, oui, Jerry. Boum. Avouez quand même que pour la première fois que je suis invité à Halloween, ça le fait. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que là, cette fois, votre cas est désespéré. Ah, en fait, c'était un peu pour cela que je vous ai fait venir. Si vous m'aidiez à en choisir un autre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mission? Une mission? Bon, t'es divine, bien sûr que non. Bon, alors, si vous n'aimez pas mon costume Renaissance, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci, Reine Elisabeth? Jerry, en général, les garçons font dans l'horreur. Ils se déguisent en monstre, en squelette ou en fantôme. Franchement, Jerry, vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. La fraise vous va ravir. Un grand merci, les filles. Vos conseils sont très précieux. Là, une toute dernière chose. Gladys voulait être la première à vous distribuer quelques sucreries. C'est vrai, on va avoir des bonbons. Pour Sam, quelques délicieux chewing-gums. Une baguette magique en sucre d'orge pour la fée Alex. Et pour Clover... Une méga boîte de chocolat belge fourré, praliné et noisette. Du sucre cristallisé, le classique des classiques. Je crois que pour une fois, je vais suivre les conseils du dentiste. Je vais pas y toucher. Bonsoir, madame Vanderflit. Ce sont tes jeunes camarades de classe, je suppose. Bonsoir, madame. Moi, c'est Sam et voici Alex. Entrez, je vous en prie. Chucky est tellement impatient de vous voir. On ne m'humilie pas impunément, je vais me venger. J'en appelle à vous, fantôme de Beverly Hills. Réveille-toi, démon, et remonte des profondeurs de l'enfer. Quitte ta tombe et reviens hanter cette terre. Déchaîne les sombres puissances du mal et précipite ce monde dans des souffrances abyssales. Complètement nulle ces formules de sorcière. Allez, je me lance. Esprit de Beverly Hills, oh esprit des quartiers chics. Laisse-moi dévaliser tes boutiques, accepte en offrande ce modeste café, fais subir à Alex et Sam les pires atrocités. Quant à Clover, sa punition sera totale si tes zombies détruisent le centre commercial, que la terreur s'abatte sur les trois copines en cette nuit magique d'Halloween. Bon alors, esprits, zombies, fantômes et compagnie, est-ce que vous venez, oui ou non? Ah, on peut plus compter sur les forces du mal, il faut tout faire tout seul. Je serai de retour à 23h. Ouf. 4 heures de répit loin de ce petit monstre. Voilà qui va me faire du bien. Oh, 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 oh.
Chucky. Chucky! Allô? Allô? J'entends rien, il y a de la friture. Je t'ai flanqué une de ces frousses. J'ai l'impression qu'on va bien rigoler tous les deux. Je vous avais dit qu'il était trop mignon. Je veux des bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. C'est même pas vrai que les chococroques sont meilleurs que les nougats ramel. Et si on tape les nougats ramel, tu pourras me les donner? Seulement si toi tu me donnes des chococroques, d'accord? Ça marche! Oh! Eh, c'est bizarre, personne d'autre ne chasse les bonbons dans cette rue. Déjà tout donné, hein? Continuons. Oh. Ouais, je vais leur apprendre, moi, à pas répondre. Œufs brouillés ou sur le plat? Pas de ça avec moi, c'est compris, petit monstre? Ma mère, elle a dit que t'avais pas le droit de me donner des ordres. Ça, c'est bizarre. Pas autant que ça, regarde. Wow, trop cool! Eh, hey, si c'était vrai, après tout. Tu parles de quoi, au juste? De la légende de la résidence Vista Verde. Je l'avais pas entendue encore, celle-là. Eh ben, d'après elle, la résidence aurait été bâtie sur un ancien cimetière et il y aurait encore un passage d'où sortiraient régulièrement des zombies. On se calme, Chucky. Tout ça, c'est pour faire peur aux petits-enfants. Oh. Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Et c'est reparti. On va avoir droit à quoi, cette fois? Le retour du fils du cousin de Frankenstein? Bah alors, Alex, tu viens? J'y vais. Allô? Personne, exactement comme tout à l'heure. Décidément. Oh, à mon avis, c'est rien. C'est juste le plancher en bois qui travaille. Si c'était autre chose? De ma chambre. Tiens, je suis sûre que t'as laissé ta fenêtre ouverte et que le vent l'a fait claquer. Si seulement vous pouviez voir vos têtes, c'est pathétique. Mandy? Terrorisée par des draps pendus au plafond, j'ai hâte de raconter ça à tout le monde demain au lycée. Oh allez, on savait bien que c'était toi depuis le début, hein. Les coups de téléphone avec personne au bout du fil, c'était signé. Attends, laquelle coup de téléphone? Bon, écoutez, je ne sais pas qui c'est, mais... Je sais où vous êtes. Est-ce que c'est toi, Todd? Chaz? Jason? Bon, je vous laisse vous remettre de vos émotions, les poules mouillées. Je suis invitée à une super soirée Halloween, alors... Bonne nuit et faites de beaux cauchemars. C'est quoi ces horreurs? Ça a marché! Ça a marché! Non mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais oui, c'est la légende de la résidence Vista Verde. Elle s'est réalisée, c'est sûr. Chucky, ce sont des copains de Mandy déguisés en mort-vivant. Elle fait semblant de s'être évanouie pour nous faire peur. Est-ce que les copains de Mandy font aussi semblant de casser les vitres? Ne les laissez pas entrer. C'est qui, ces cinglés? C'est impossible de te répondre, mais je pense que les coups de téléphone, ça venait d'eux. La fréquence utilisée lors de ces deux appels était de 666 GHz, ce qui veut dire que ces horreurs viennent d'une autre dimension. Ce sont des zombies sortis tout droit de l'enfer, je vous l'avais dit. Exactement comme dans ma BD. Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est qui? Ok, je crois qu'on ferait mieux d'appeler Jerry. Yo, 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 Jerry dans la place. Jerry, c'est urgent. Des morts vivants d'une autre dimension sont en train de nous attaquer. Tenez, jetez un œil à ces fréquences. Ces relevés sont forcément faux, Sam. Votre compoderie doit mal fonctionner, je ne vois que cela.
Manda, c'est mort-vivant. Je penche pour une bande de joyeux farceurs. À présent, vous voudrez bien m'excuser. Il faut que je retourne à mes platines. Ça va grouver grave. Aïe, c'est trop. Je suis dans la place. Yo. C'est quoi ce vacarme? J'ai comme l'impression que revoilà notre bande de farceurs. Tu viens de risquer ta vie pour Mandy? C'est quand même un être humain, non? Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a même pas un seul gadget. Tu nous revaudras ça, Gladys. Hé, tu l'as acheté où ton sucre cristallisé, Clover? Ce sont des gadgets. Nos sucreries sont des gadgets. Je les ai toutes gaspillées en une seule fois. On a intérêt à garder les nôtres pour plus tard, Alex. Allez, filons. Clover, attrape ses jambes. On pourrait utiliser Mandy comme bouclier humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je peux plus, je suis fatiguée. Je vais rentrer à la maison. Je me demande comment ce truc fonctionne. Et moi, je me demande ce qu'ils ont de spécial, mes chewing-gums. Occupez-vous de Mandy. Elle a invoqué l'esprit d'un démon. Tout ça, ce serait l'œuvre de Mandy. Alors c'est une sorcière et ça explique beaucoup de choses. En tout cas, tant pis pour elle. Elle a bien mérité de se faire dévorer par les zombies qu'elle a appelés. Ah, même si c'est tentant, on peut pas la laisser. Mandy est peut-être la seule à pouvoir nous débarrasser de ces horreurs. Ce mur est beaucoup trop haut, on est fichu. Ils sont trop nombreux. Chucky! Ouais, t'as raison. Je suis prête à parier que tous les autres zombies habitent aussi la résidence. Allez, Gadget, à toi! Si seulement je savais comment ça... Ah, allez, filons! Je vous présente mes excuses, mademoiselle. Vous avez raison à propos des morts vivants. Le terrain sur lequel a été construit la résidence semble habité, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours selon cette vieille légende, quiconque libère l'esprit maléfique pendant la nuit d'Halloween se verra récompensé. Bien sûr, les coups de téléphone, c'était pour Mandy, pas pour nous. Ça pourrait être logique, en effet. Je ne la quitterais pas des yeux si j'étais vous. D'accord, Jerry. Tu m'entends, Clover? Ils les ont eus, Sam. On est encerclés. Ils abandonnent? Comme si l'esprit maléfique les avait rappelés. Il faudra le remercier, ça nous a sauvés. D'accord, mais où est passé Clover? Oh non! D'après le GPS, elle se trouverait à 20 mètres sous terre. Ils les ont emmenés toutes les deux avec eux. Ça me donne une idée. Je ne suis pas convaincue par ton idée, Sam. Voyons de quoi est constitué ce tourbillon. C'est de l'électricité pure. Lâchez-moi! Pas les pattes, bande de cafards! Je vous préviens, je vais le dire à ma mère! Je vais vous dire que quand elle l'apprendra, ça risque de barder pour... Maman! Oh.
vous rêvez, les gars. Je veux pas y aller, moi, dans votre truc. Le teint gris outre-tombe, ben, ça va pas aux blondes. Lâchez-la immédiatement. C'est ici la soirée d'enfer. Dites les gars, pourquoi vous portez tous les deux le même déguisement? Tu m'as libéré des profondeurs de la terre et de ma prison, et pour ça, tu mérites d'être récompensé. Tous les deux, nous allons régner sur le monde grâce à notre grande armée de zombies. J'aime trop la lumière du jour pour vous laisser faire. Bien le bonjour chez vous. Rattrapez-les, misérable esclave des profondeurs. Alex, la loge du gardien. Si ça continue comme ça, on ne fera pas de vieux os. Attends, je crois que j'ai une idée. Vous en prenez plein les mirettes, hein? Alex, tu es un véritable génie. Allons délivrer Clover. Jerry, est-ce qu'on peut inverser la polarité du tourbillon avec le com' poudrier? J'ai bien peur que non, il est beaucoup trop puissant. Tenez bon, les filles, nous venons à votre secours. Oh, ils ont coupé le courant. Plutôt malin pour des zombies sans cervelle. On peut plus reculer, il faut sauver Clover et Chucky de toute urgence. T'oublies pas quelqu'un, là? Oui, bon, bah d'accord, on va s'occuper de Mandy. C'est ici qu'ils ont coupé la tension. On peut rebrancher ces câbles? Franchement, j'en doute. Mais à mon avis, on peut faire beaucoup mieux. Ces combinaisons sont en caoutchouc, un parfait isolant. Genoux devant votre maître. Quoi? Ça marche? Oh, maman! Totale obéissance. Restez où vous êtes. Mademoiselle, vous avez réussi. Quelqu'un peut me dire ce que je fais ici? Attendez, quelle heure est-il? Je devrais être à ma super fête. À cause de vous, j'ai raté ma soirée d'Halloween. Oh, dis donc, t'es gonflée, Mandy, on t'a quand même sauvé la face. L'honneur est sauf, on t'a obtenu une invitation pour l'année prochaine. Tu seras en tête sur la liste des invités d'honneur. Je ne suis pas prête de vous le pardonner, je me vengerai. Mais maman, je te dis que c'est la vérité. Des esclaves venus des profondeurs. Un tourbillon qui zombifie les gens. J'en ai par-dessus la tête de tes histoires à dormir debout, Chucky. Hé, hey, Super Jerry, il assure votre déguisement. Le comte Dracula, c'est indémodable. Dracula? Oh non, la cape, c'est juste un par-dessus. Ta-da! Alors, qu'en dites-vous? Ah bah dis donc, heureusement qu'Halloween, c'est qu'une fois par an, hein. On remercie les calendriers. J'adore
regarder des films d'horreur. D'ailleurs, moi, ça me fait plutôt rire. Par exemple, dans le centre commercial de l'épouvante, j'ai pas sursauté une seule fois quand la vendeuse s'apprête à fermer. La nuit est tombée et elle entend des craquements bizarres dans l'arrière-boutique. La pauvre va voir seule. Et alors, on entend une forte respiration qui semble se rapprocher, comme prête à bondir. Et tout à coup, la lumière s'éteint et on n'y voit plus rien du tout. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu.